Tu serais venu ce matin, je me suis fait les folles et tout le bateau, le bordé. Franchement, si tu veux me faire plaisir, un jour, tu m'achètes une chiffonnette, du produit à vitre, une éponge magique, et ben ça me fait ma journée. On pourra me dire ce qu'on veut, mais ça a de la gueule quand même. Ah, quand même. Comment tu te trouves, toi? Allez, 1, 2, 3, on recule. Ah, c'est bien, je pensais qu'il y avait plus de vent que ça, tu vois. C'est marrant, ce orange, en fonction de là où tu le regardes, c'est pas la même couleur, quoi. Tu vas avoir vu du dessus aussi, tu vas voir le pont et tout, c'est joli. Le bulle, t'as vu les finitions? Non, il est magnifique. Au sirop orange, on a même les sangles orange. Vous avez fait fort. Pour venir attacher les voiles. Le mât, les câbles qui tiennent le mât. Non, mais c'est bien de le voir flotter, tu sais, parce qu'on se rend pas compte, mais il n'y a pas grand chose dans l'eau. Hein. Avec des mâts noirs dessus. Bon, ça va claquer. Ouais. Ça va être magnifique. Par contre, le mât, je l'ai pas poliché. Kevin, dans les 40e, ça, on verra rien. Bon, déjà, faudra aller un petit peu plus loin que la dernière fois. C'est une étape importante pour le projet. C'est vrai qu'on a commencé il y a plus d'un an avec ce bateau qu'on a racheté en Angleterre. Et là, de le voir aujourd'hui à l'eau à Lorient. C'est important, il y a encore beaucoup de boulot, mais c'est une journée très importante pour nous. C'est surtout beaucoup de travail en amont. Et effectivement, c'est une journée un peu plaisir de voir le bateau enfin flotter et s'imaginer bientôt qu'il va pouvoir naviguer. Je suis extrêmement content du job du Team PRV, c'est certain. Toutes les modifications qu'on a faites, j'en suis très content. Non, franchement, hâte d'aller faire un tour.